Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui va être une émission de réinformation, comme nous en faisons régulièrement, avec mon complice habituel, André Posokov, qui a suivi plusieurs émissions à la télévision et qui a un certain nombre de commentaires à apporter sur ce sujet, puisque ces émissions traitaient de la drôle de guerre. Nous sommes au moment du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, début septembre. C'était la déclaration de guerre. Et maintenant, nous sommes dans une période qui va aller jusqu'au mois de juin, au cours de laquelle nous pourrons évoquer ce qu'on a convenu d'appeler la drôle de guerre, selon la formule célèbre de Roland Dorgelès, l'auteur des Croix de Bois, qui s'étonnait pendant l'hiver 39-40 que l'action proprement dite militaire se fasse attendre. On était dans une période d'attentisme, de défensive, et l'expression drôle de guerre s'est imposé depuis. Et un certain nombre d'émissions, je crois, à la télévision ont évoqué cette séquence, cet épisode, et vous avez, André Posokov, un certain nombre de choses à dire à ce sujet, un certain nombre de questions à préciser, en quelque sorte. – Oui, merci Philippe, effectivement, nous sommes donc en novembre 2019 et 80 ans après le début de la drôle de guerre qui va de début septembre, date de la déclaration de guerre, jusqu'au 10 mai 40, qui est la date de l'assaut allemand, l'attaque allemande sur la Belgique, la Hollande, la Belgique et la France. Alors il y a eu deux émissions. La France entre en guerre, 1939, la France entre en guerre, du 2 septembre 2019, sur la 3, de M. Wittkin, et sur Arte, la drôle de guerre, du 3 septembre, c'est un film de Cédric Grua. Ce sont des bons films, ce sont de bonnes émissions, de bons documentaires intéressants, qui insistent beaucoup sur l'aspect humain de la mobilisation, et qui parle beaucoup, et à juste titre, de la démoralisation de gens qui sont restés pendant des mois à ne strictement rien faire, et avec un moral qui se délitait, très clairement. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses à ajouter sur cette période de 4 et 3, 7 mois, hein, 8 mois, où il s'est passé en réalité beaucoup de choses, et où on ne s'est pas contenté de dormir. Donc tout part du pacte germano-soviétique du 23 août, où l'URSS s'engage à rester neutre en cas d'attaque de l'Allemagne envers la Pologne, et puis avec un pacte secret qui consiste quand même à se partager l'Europe de l'Est et notamment la Pologne. Plus des accords économiques qui vont permettre à l'Allemagne de supporter sans problème le blocus. Alors, il faut aussi se souvenir que tout cela est parti d'une garantie inconditionnelle donnée par l'Angleterre, ce qui est absolument exceptionnel, par Chamberlain, à la Pologne, suivie comme un caniche par Daladier, suivie par la France, ce qui a conduit l'autorité polonaise, c'est-à-dire essentiellement le colonel Beck, à une position intransigeante envers l'Allemagne, convaincue qu'il gagnerait. Et à partir de ce moment-là, le 1er septembre, l'armée allemande a attaqué, avec des moyens considérables, en utilisant déjà les divisions blindées, et très rapidement, l'armée polonaise a été en très grande difficulté, très grande. Alors, ce qui est important de rappeler quand même, tout à fait au début, c'est que la France a déclaré la guerre le 3 septembre. Mmh. Alors, elle a déclaré la guerre lorsqu'il y a eu le pacte germano-soviétique d'Aladier, président du Conseil et d'ailleurs ministre des Armées, a convoqué les responsables civils et militaires pour leur poser des questions qui consistaient à dire « Est-ce que nous sommes tenus d'aller au secours de la Pologne et est-ce que nos armées sont prêtes ?» Et très succinctement, les réponses ont été de la part de la marine, c'est-à-dire l'amiral Darlan, oui, et c'était vrai, puisque la marine française n'était pas, contrairement à ce que dit le documentaire, la deuxième du monde avec la marine anglaise, la marine britannique, les trois premières marines étaient la marine britannique, la marine américaine et la marine japonaise, la française venait derrière,
excellente marine, mais avec quelques faiblesses, oui, qui étaient pas de porte-avions, peu de DCA, pas de radar et pas de sonar. Donc déjà, mais par rapport aux autres marines, elle était en très bonne position. – Il y avait eu un effort considérable réalisé pendant l'entre-deux-guerres pour doter la France d'une marine… Le général Gamelin, généralissime des armées, a dit « oui, l'armée française est prête ». Il a prétendu après qu'elle était prête pour se mobiliser et pratiquer la mobilisation, mais ce n'était pas la question qu'on lui demandait, il était assez intelligent pour le comprendre. Mais le général Gamelin avait une souplesse aussi bien dans les chines que dans la parole qui le conduisait, qui l'a conduit à ne pas dire la vérité, c'est-à-dire que l'armée française n'était pas prête. Daladier, d'ailleurs, le savait, il était quand même ministre depuis 1936 des armées. Et quant à l'aviation, le nouveau ministre de l'air, la Chambre, a dit « l'état de l'aviation ne doit pas nous conduire à refuser d'entrer en guerre ». En réalité, et le général Villemain, qui commandait l'aviation, commandait l'armée de l'air, n'a rien dit. Et on peut dire qu'eux aussi n'ont pas dit la vérité. Oui, mais dans le cas et ça, c'est extrêmement grave, parce que cela a conduit effectivement, Daladier, à engager le processus de la déclaration de guerre. Cette déclaration de guerre devait être décidée par la Chambre des députés et par le Sénat. Et il était clair qu'il y allait y avoir des discussions parce qu'il y avait des bellicistes et des pacifistes, ce qu'on appelait les défaitistes, en fait, ils étaient lucides. Et ceux qui ont voulu la guerre, c'est-à-dire Daladier, derrière Herriot, président de la Chambre, Jeannet, président du Sénat et d'autres, les bellicistes étant Paul Reynaud, qui était ministre des Finances, et Mandel, savaient qu'il y aurait des discussions et peut-être des votes contre la déclaration de guerre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont convaincu les présidents de groupe qu'il n'y ait pas de discussion. Ce qui fait qu'à la Chambre des députés, les députés n'ont pas discuté sur l'opportunité ou la possibilité ou non de faire la guerre. La deuxième chose, c'est que tout a été décidé en commission des finances, où il a été proposé et accepté un budget de 75 milliards de francs pour armer l'armée, pour l'équiper. Et cette proposition a été faite non pas pour faire face aux besoins nés de tes hostilités, mais pour faire face aux engagements internationaux de la France. Il n'a pas été question de la guerre. Et au cours de la commission, Flandin, Fro ont posé la question, attention, nous sommes d'accord pour voter ces crédits qui sont indispensables étant donné la situation, mais ce n'est pas la guerre. Et en réalité, ils sont revenus devant la Chambre des députés, devant le Sénat. On a fait voter les crédits et le soir, la guerre était déclarée. Tout cela a été inconstitutionnel et dans le mensonge et le manque de probité intellectuelle. Il faut savoir que cette guerre a été déclarée dans des conditions totalement anormales. Alors, il y a eu des discussions juridiques, mais il faut rappeler que le Parlement français, depuis des dizaines d'années, exerçait une sorte de dictature sur toute la vie politique française. Et là, sur cet engagement, sur cette guerre qui a eu des conséquences terribles sur la France, sur l'Europe, la décision a été biaisée, il y a eu une tricherie. Alors, autre point intéressant au moment de du début de la guerre, c'est l'affaire de la Sarre. Dans les documentaires, il est dit que les Français ont raté l'occasion de battre l'Allemagne en lançant des troupes sur la Sarre, sur l'arrière des armées allemandes, alors que l'armée allemande était occupée en Pologne. Et ça, c'est une opinion que l'on trouve très souvent. En réalité, ça ne se passait pas comme ça. Le seul endroit où les Français pouvaient attaquer, c'était effectivement la Sarre. Il ne s'agissait pas de traverser le Rhin entre l'Alsace et la Forêt-Noire. Et le seul endroit où il aurait été possible et efficace d'attaquer, c'était en Belgique, et les Belges ne le voulaient pas. Ils étaient neutres. Un problème, ils étaient neutres. Or, les Allemands avaient construit la ligne Siegfried,
qui n'était pas qu'une petite chose. L'armée allemande à l'époque avait une centaine de divisions, elle en a laissé 30 puis 40 face à l'armée française en Sarre. Or l'armée française était en pleine mobilisation du 1er septembre jusqu'à fin septembre, elle était en pleine mobilisation, elle n'était pas prête à attaquer. D'autre part, le général Gamelin avait négocié avec le en mai 39 avait négocié avec le ministre des armées polonais. Il avait négocié un accord comme quoi l'armée française interviendrait à partir du 5, pas tout de suite, alors que les Polonais criaient en disant il faut tout de suite intervenir, mais avec quoi et comment? Et ce qui s'est passé, c'est que le général Gamelin, notamment le 23 août, avait dit « La Pologne tiendra plusieurs mois, certainement jusqu'au printemps prochain. » Elle s'est effondrée en 15 jours. Ne portons pas de jugement sur les Polonais qui sont battus avec leur courage habituel, mais elle s'est effondrée en 15 jours. À partir de ce moment-là, l'attaque sur la Sarre ne servait plus à rien. On a piteusement rétrogradé. Et surtout… En septembre, il y a eu le premier Conseil suprême interallié, et ce Conseil suprême interallié a décidé une stratégie d'attentisme et de défensif. À partir de ce moment-là, il n'était plus question d'attaquer l'Allemagne directement. Et de toute façon, on n'en avait pas les moyens. Oui, et puis, comme vous l'avez dit, l'armée polonaise s'écroule en 15 jours. Et puis, le 17 septembre, c'est l'armée rouge qui entre en Pologne à son tour dans la partie orientale du pays pour venir occuper les territoires qui ont été partagés lors du pacte germano-soviétique. Les alliés, enfin les franco-anglais, ont déclaré la guerre à l'Allemagne parce qu'ils avaient attaqué la Pologne, mais ils n'ont pas déclaré la guerre à l'URSS, du moins pas tout de suite, puisqu'on verra que dans l'affaire de Finlande et du Caucase, nous avons frôlé une guerre et avec l'Allemagne et avec l'URSS. Mais rien n'a été fait à l'égard des soviétiques, qui ont pratiqué la même politique que les Allemands en Pologne, c'est-à-dire l'élimination des élites, ça a débouché sur Katyn, la déportation de centaines de milliers de personnes, juifs et non-juifs, bien sûr, Sibérie. Dans la foulée, ils ont annexé les trois pays baltes. Et à terme, ils ont attaqué la Finlande. Donc, ce partage a été extrêmement important, mais sur le moment, les alliés n'ont pas déclaré la guerre à l'URSS. Alors, c'est peut-être le moment de parler de l'Union soviétique et du Parti communiste. Oui, parce que le rôle du Parti communiste, son attitude pendant la drôle de guerre a fait l'objet effectivement de polémiques, même si pendant longtemps on a plus ou moins mis ça sous le boisseau. Je me souviens en particulier d'un ouvrage qui a fait référence pendant longtemps, l'ouvrage de Rossi, Les communistes pendant la drôle de guerre, des communistes qui se retrouvent de fait dans le camp de Staline, donc quelque part dans le camp de Hitler pendant cette drôle de guerre. Moi, je cite deux chiffres. La guerre 39-45 en Europe a duré 68 mois. Sur les 68 mois, de septembre 39 à juin 41, date de la bande, il s'est passé 22 mois. Pendant ces 22 mois, le monde soviéto-communiste a été l'allié de l'Allemagne nazie, l'allié. C'est ce que d'ailleurs la Russie d'aujourd'hui oublie un peu. Mais elle a été l'allié et ça s'est traduit par quoi? Ben par la livraison de beaucoup de matières premières. Or, la stratégie des alliés était le blocus et nous avions les moyens. – La guerre longue et le blocus maritime. – À partir de ce moment-là, les soviétiques ont livré… Alors, du chrome, du nickel, du manganèse, de l'étain, du cuivre, du coton, des céréales. Les Allemands ont attaqué le 21 juin l'URSS. Le 21 juin, le 20 juin au soir, il y avait un train de blé qui passait. Donc, une aide, il y a mieux. Par accord, les Allemands et les Soviétiques ont échangé les prisonniers. Alors, quels étaient ces prisonniers? Ben, notamment les communistes allemands qui s'étaient réfugiés en Union soviétique et que pendant les grandes purges, Staline avait déporté. Ceux-là ont été rendus aux Allemands. Et le cas le plus connu, celui de Mme Buber-Neumann, qui a eu le privilège de connaître et le Goulag et Ravensbrück. Mais en même temps,
les Allemands rendaient des prisonniers que Staline accueillit avec tous les égards que vous devinez. Donc c'est une complicité totale. Quant aux communistes, Madame Lacroix-Riis a écrit un livre qui s'appelle « Le choix de la défaite ». Elle parle des classes dirigeantes. Il n'y a pas eu de choix de la défaite de la part des dirigeants français. Que les Blum et Riault, Daladier, Cotte, etc. étaient incompétents, des idéologues aveugles, qu'ils étaient lâches, tout ce que l'on veut. Et puis c'est à nuancer aussi, il y a eu un effort de réarmement réel conduit par Daladier. Mais enfin, on a vu les limites de cette accusation-là avec le procès de Rion, ensuite pendant l'occupation, parce que on a pu faire valoir que, alors bien sûr c'était après le réarmement allemand, etc., qu'on avait quand même fait des efforts dans ce sens. Il y a eu un effort, mais trop tardif. Entre le procès de Rion, il a été... écoutez, je pense que le procès de Rion prendrait certainement beaucoup de temps. Ah oui, on pourra y consacrer notre émission. Mais le procès de Rion, ça a donné lieu à une plaidoirie, avec tout ce que cela veut dire de plaidoirie. En réalité, j'aurais voulu en parler, les moyens français, l'armée française, au moment de l'attaque le 10 mai 40, n'était absolument pas prête, avec des moyens dérisoires, notamment en aviation. Sur le plan aérien surtout, oui. Alors, concernant les communistes, donc il n'y a pas eu le choix de la défaite, contrairement au titre de cet ouvrage. Il y a un seul groupe, un seul mouvement, un seul parti qui a trahi et qui a fait le choix de l'ennemi, ça a été le Parti communiste. Mm-hmm. Il y a eu les sabotages, même si dans Wikipédia on essaye d'atténuer les choses, mais des sabotages importants. Mm-hmm. Hein. Il y a eu le ralentissement de la production, très certainement. Et il y a aussi de la propagande dans le pays, mais auprès des armées. Jusqu'à la défaite, mais cette espèce de semi-collaboration, disons, de bienveillance à l'écart de l'occupant allemand, a continué de la part du parti, pas de tous les communistes, jusqu'en juin 1941. Mais et puis il faut rappeler aussi la disparition du patron du Parti communiste, Maurice Thorez, qui se retrouve. Il avait été mobilisé à Moscou. Alors, pendant il y a une chose qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que dit un des documentaires, lorsque le vote a eu lieu à l'Assemblée, les crédits ont été votés, y compris le Parti communiste. Mmh. Y compris le Parti communiste. Et le Parti communiste, début septembre, a pris des positions hostiles aux Allemands, des presque patriotes. Mais pendant le mois de septembre, les instructions sont venues de Staline et de Comintern en disant « Non, c'est pas du tout ça ». Et ils ont fait absolument volte-face. Et ce qui s'est passé, effectivement, et il convient de le dire, c'est que Daladier, qui gardait une dent envers des communistes, une dent acérée, a interdit le Parti communiste, a arrêté un certain nombre de personnes, interdit la diffusion des journaux communistes. Et le Parti communiste est rentré en clandestinité, ce qui lui a permis de préparer l'après-juin 1941. Mais le Parti communiste a été interdit. Mais ils ont voté, tout à fait début septembre, les crédits de guerre. Oui. Et alors, cet épisode de la drôle de guerre donc, débute en fait dès le mois de septembre, puisque nous sommes rentrés en guerre, et à la différence de ce qui s'est passé en 1914, sur le front ouest, qui concernait directement la France, il ne se passe rien. Les Allemands sont sur la défensive, pendant qu'ils sont occupés en Pologne, et en fait, tout l'hiver va se passer sans que les choses bougent. On a l'impression d'une guerre qui s'enlise et qui ne... Pour la perception de la population et de ceux qui avaient été mobilisés, c'est exactement ça. Rien ne bouge. Mais il y a eu 9 réunions du comité interallié, du comité suprême interallié, du conseil suprême interallié. Et dès le départ, le choix stratégique fait avec les Anglais, qui eux n'avaient pas de moyens, je vais y venir, a été la défensive et l'attentisme. Blocus, dont on a vu les faiblesses, Blocus naval, mais surtout équipement des armées.
C'est vrai qu'à partir de 38-39, on a commencé vraiment, nous avons en France commencé à faire un gros effort, mais effort tardif, effort incomplet. Tardif, oui. Je voudrais parler des moyens de l'arme, des deux armées. Cet effort trop tardif ne permettait pas d'agir. Néanmoins, il s'est passé beaucoup de choses. Puisque tout ça s'est fini par l'expédition de Norvège, et puis parce que on a voulu sortir de l'attentisme avec des intentions périphériques, absolument inimaginables. Pas très réaliste, oui. Tout le monde après a pensé que c'était de la folie pure. Bon, on peut en parler dès maintenant. Les Français imaginaient de recommencer l'affaire des Balkans, franchi d'Espéret, en 18, en débarquant du côté de Salonique, en débarquant dans les Balkans, sans s'être entremis avec ces pays qui auraient été finalement envahis. Ouais. Deuxièmement, il est clair que si les Français qui en voulaient dans cette affaire avaient débarqué, et puis avec quels moyens ? Vous allez voir qu'il n'y avait pas de moyens. L'Italie aurait protesté. L'Italie était non belligérante, selon la formule retenue, c'était une situation qui pouvait se révéler incertaine. Alors, l'Italie était non belligérante, c'est vrai. Elle ne s'est pas joint lors de la déclaration de guerre en septembre à Hitler, qui d'ailleurs l'avait très mal pris. Mais on sentait très bien que ça pouvait très mal tourner. Donc, il n'était pas question, et les Anglais y tenaient, de provoquer l'Italie. L'Italie susceptible de mettre en cause la présence anglaise en Méditerranée. Donc déjà, avec quels moyens ? Nous avions deux petites divisions en Syrie sous les ordres du général Weygand. Ouais. Mais c'est cela qu'on veut. La France, déjà, n'avait pas les moyens. Et nous voyons, l'armée française n'était pas prête sur le front principal. Alors ce n'était pas avec ça qu'on allait attaquer les Balkans. La deuxième chose, c'était que comme la Russie fournissait en pétrole l'Allemagne nazie, il y a eu l'idée d'aller attaquer les puits de Bakou au Caucase. Au bord de la Caspienne, oui. Avec quoi ? Avec quels avions ? Nous n'avions pas d'aviation de bombardement. Et là aussi, c'était de la folie, parce que si l'Union soviétique avait été attaquée, c'était la guerre avec l'Union soviétique. Donc on se serait retrouvé avec une guerre contre l'Allemagne nazie, contre l'URSS communiste. C'était quand même beaucoup, surtout lorsqu'on a vu ce qui s'est passé. Ça fait beaucoup à la fois. Comme les dossiers secrets du haut commandement français sont tombés aux mains des Allemands à la Charité-sur-Loire, les Allemands ont pu consulter tout ça. Et Hitler a dit que les Français étaient gouvernés par des fous. Dans cette affaire, ce sont les Français qui étaient les plus inspirés, ceux qui en voulaient le plus. Les Anglais les ont calmés. Les Anglais disent non, c'est ce que vous proposez était inimaginable. Alors déjà, il y avait des tensions. Par contre, les Anglais voulaient bombarder la Ruhr, parce que ils avaient beaucoup de bombardiers, mais c'est des bombardiers stratégiques, et non pas des bombardiers comme les Stuka, des bombardiers d'assaut. Et les Français, eux, étaient absolument en désaccord en disant « nous allons avoir des représailles ». Et Churchill était très, très accroché à une affaire de mines fluviales sur le Rhin. Et là aussi, les Français en disant « attendez, nous aussi on utilise le Rhin ». Et on va avoir des représailles. Et là aussi, il y a eu des discussions et des dissentiments assez forts. Autrement dit, on sortait de la stratégie attentiste. Mais la stratégie attentiste avait posé un problème grave, c'est que les Français avaient mobilisé des millions d'hommes que l'on avait expédiés sur le front. Ils disaient, on sert à quoi ? Ben voilà, et donc le moral tombait. Et ça jouait son rôle le 10 mai. On ne pouvait pas. La politique attentiste que voulaient les Anglais et aussi les Français, notamment le général Gamelin, elle ne pouvait mener qu'à. Elle devait exiger plusieurs années, 2-3 ans peut-être. Et pendant 2-3 ans, on aurait gardé des millions d'hommes à attendre l'arme au pied, tout ça soit armé. C'était pas jouable, il y avait un problème. Oui, et puis cette stratégie résolument défensive aussi laissait la totale initiative à l'adversaire.
c'est-à-dire à l'Allemagne. On comprend les raisons de ce choix de la défensive par rapport au souvenir de la guerre de 14 et l'immensité des pertes qui avaient été consenties par la France. Mais en même temps, Hitler a pu, dans la durée, s'organiser, balancer ses forces depuis la Pologne vers l'Ouest, choisir le moment, le lieu, sans avoir à compter avec une réaction, une anticipation de la part des Alliés. – Alors, c'est vrai, et on a invoqué la ligne Maginot. La ligne Maginot suscite une dérision qui, à mon avis, est injustifiée. Parce qu'elle permettait, en principe, d'économiser du personnel, d'économiser des divisions. Ces divisions pouvaient être mises dans le nord de la France pour s'opposer. – Engagées en Belgique. – Tout le monde savait qu'une manière ou d'une autre, la Belgique serait… – Éventuelle invasion de la Belgique, oui. Donc, en soi, ce n'était pas illogique. L'armée française avait suffisamment de divisions, alors peut-être en moins bonne situation et avec moins de moyens que les divisions que la Wehrmacht, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et ça, ça a été scellé au commandement. Si l'invasion de la Belgique, si l'entrée en Belgique a été une décision politique, une décision conjointe franco-anglaise, les erreurs stratégiques du haut commandement français sont franco-françaises. Ça a été la dissémination des bonnes divisions. Alors, il y en avait, puisqu'il y avait la première armée le long de la frontière belge, mais beaucoup de bonnes divisions étaient disséminées sur tout le pourtour. Autrement dit, la ligne Maginot n'économisait pas les forces françaises comme elles auraient dû permettre de les économiser. Ça a conduit, Gamelin notamment, à mettre des divisions, deux armées, la deuxième armée du général Hunziger et la neuvième armée du général Korap, dans une zone qui s'est avérée absolument décisive, qui était les Ardennes, l'est de la Belgique, puisque, comme disait Gamelin, la Meuse ne m'intéresse pas. Or, ces deux armées étaient sous-équipées, mal armées, et surtout avec des divisions dites de série B, où il y avait un encadrement d'actifs minimal, des troupes âgées aussi. Non entraînées, ayant tout oublié, ces deux divisions de la 2e armée, la 71e, la 55e, lorsque les Allemands, parce qu'ils ont eu à faire face à des divisions allemandes appuyées par les Stuka, se sont évaporées. Mais ce choix de ces deux armées et cette faiblesse de ces deux armées dans ce point de la Meuse a été une des deux causes de la défaite. Autrement dit, la défensive à ce moment-là n'était pas un mauvais choix. C'est l'organisation de la défensive qui a été très mal conçue par Gamelin. Je crois que le haut commandement et Gamelin en particulier, leur rôle néfaste a été souligné. Alors, le colonel Michelet, dans son ouvrage, dit que les responsabilités politiques sont extrêmement importantes, et c'est vrai. Après tout, la loi de juillet 38 disait que la conduite de la guerre, la préparation de la conduite de la guerre, était du ressort des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques. C'est strictement vrai. Ce qui revenait au haut commandement, c'était l'organisation des forces sur le terrain et la conduite des batailles. Mais dans cette affaire, le haut commandement a commis des erreurs graves. La première des erreurs a été de ne pas entraîner les troupes françaises comme les Allemands entraînaient les leurs, parce qu'il y a eu des faiblesses dans l'armée allemande lors de la campagne de Pologne. Et il a fallu que les Allemands remettent en ordre tout cela, les entraînent. – L'hiver 39-40 a été… – Ce n'est pas le cas de la marine, a travaillé pendant toute la longue guerre. Et ça, c'est une responsabilité du commandement français. Le deuxième, c'est effectivement la Meuse, et ce choix de ne pas défendre avec suffisamment de force, c'est une zone sensible, et de considérer que… – La Meuse, fossée anti-char infranchissable, disait-on, ou alors la forêt ardennaise également était considérée comme un milieu qui empêchait toute offensive mécanisée, motorisée d'envergure. – Alors on a mis la responsabilité sur le dos du maréchal Pétain qui avait dit les Ardennes infranchissables. Oui, il l'a dit, en 1934. Oui. Mais il l'a dit en disant,
elles sont franchissables. Et c'est la deuxième partie de la proposition de capacité, si on fait les aménagements nécessaires. Alors, les aménagements n'ont jamais été faits. Parce que c'était en Belgique. Et dans la deuxième armée du général Ziegler, la deuxième armée a subi la visite d'une mission de parlementaires conduite par Tettinger, qui a fait un rapport incendiaire sur la situation des fortifications et de la défense de la deuxième armée, en disant « nous sommes très en retard, tout ça va mal tourner ». Ziegler était extrêmement mécontent, rien n'a été fait et on en connaît la suite. Les deux divisions donc de série B, comme je l'ai dit, qui faisaient face à Sedan, ont pris le choc complètement, de plein fouet, et se sont évaporées, avec de graves défaillances. Et quant à la 9e armée, elle s'est déplacée à pied pour se mettre sur la Meuse du côté belge, et là aussi, elle a été prise de plein fouet, bataille de rencontre. Et le résultat, c'est que là aussi, les deux divisions de série B se sont évaporées. – Alors, vous évoquez le personnage du général Hunziker, j'en profite pour une petite parenthèse, pour signaler à nos auditeurs le livre de Max Schiavon qui vient de sortir, consacré au carnet du général Hunziker, qui est un document évidemment important pour la période de commémoration qui s'ouvre. – Alors… j'aurais voulu parler des moyens. – Allons-y, j'allais justement vous solliciter sur ce terrain. – Apparemment, ce qui est dit d'une manière générale, c'est que les moyens étaient équilibrés. Sauf en… il est dit en aviation, en blindé et en nombre d'hommes. C'est pas tout à fait vrai, car il y avait un des équipes fondamentales, c'est que dans le nombre, l'aspect humain, dans l'aspect du nombre de divisions des alliés, on tenait compte des Hollandais et des Belges. Les Belges 4 jours, les Hollandais 4 jours, et les Belges qui se sont battus une vingtaine de jours. Il y avait 10 divisions anglaises, nous souvenons que les divisions anglaises, dès que les choses sont… – Le corps expéditionnaire. Sont partis vers la mer. Et donc, à partir de ce moment-là, les Français étaient en nette infériorité tout seuls. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'aviation, l'infériorité des Alliés était quand même, même si on avait des avions, l'infériorité était quand même flagrante, j'y reviendrai. Et puis en blindé aussi. Alors il y a la responsabilité de ceux qui n'ont pas voulu de division blindée. – Voilà, c'est davantage une question de doctrine d'emploi que de moyens proprement dit là. Je voudrais y revenir, tout d'abord de parler de l'aide anglaise. L'aide anglaise, l'impréparation britannique a été totale. Ils avaient une marine, mais nous aussi. Ils avaient une aviation, et il y aura les Hurricanes et les Spitfires, mais en nombre limité qu'ils ont gardé très largement pour eux. Pour prévoir l'éventuelle bataille d'Angleterre qui a suivi. Mais pour ce qui est de l'armée, il n'y avait plus d'armée anglaise digne de ce nom. Ils avaient totalement désarmé dans les années 20. Ils voulaient d'ailleurs que les Français fassent pareil. Le service militaire obligatoire a été décrété le 27 avril 1939. Et l'application, extrême lenteur. Bah oui, donc on avait un petit corps expéditionnaire. On n'est plus en 1793 et une levée en masse qui projetait en quelques semaines sur les frontières une masse de combattants. Alors l'armée française a mobilisé une grosse centaine de divisions, les Anglais nous en ont envoyé 10. Tout cela était extrêmement insuffisant. Je crois qu'il faut absolument le souligner. L'Angleterre est rentrée en guerre sans armée. Et les Français ont accepté de mobiliser toute la population de 18 à 48 ans, alors que les Anglais ne le faisaient pas. Ce qui a beaucoup étonné les Français qui avaient échappé de Dunkerque, qui venaient de vivre quand même un enfer. Donc ils ont été très bien accueillis par la population. Ils ont été mis dans des trains pour aller vers les ports, pour réembarquer vers la… Ils ont vu des jeunes de leur âge en train de jouer au cricket en pull blanc sur des greens. Et là, les gars, ils dodelinaient de la tête. Donc, les Anglais ont mobilisé un homme sur 48 et les Français un homme sur 8. Il y avait des types, dans une des documentaires, ils disaient que 40% des mobilisés avaient fait la guerre de 14-18. Je pense que c'est bien exagéré, mais il y en avait quand même pas mal. Ah, il y en a peut-être un petit tiers, en tout cas. Donc, en fait, l'aide anglaise
a été dérisoire, ça a été une des causes de la défaite. Et puis surtout le non-emploi de leurs meilleurs avions, à savoir les Spitfire pendant la bataille de France. Alors, sur le continent. Concernant les avions, ils ont envoyé environ 400 avions. Mmh. Ces 400 avions se sont bien battus, mais c'était des Hurricanes. Les Spitfire ont commencé à intervenir au moment de Dunkerque. C'est ça, donc très tard. Donc nous sommes déjà. Et puis après, ils ont refusé de les allouer aux Français. Alors, on peut parfaitement comprendre qu'à partir d'un certain moment, les Anglais ont dit c'est perdu, et donc. C'est l'égoïsme sacré qui commande. Oui, on peut le comprendre. Mais à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus le droit de dire aux Français continuez à vous battre. Ouais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, faites tuer des gens. Ben oui, pour que nous, on gagne 15 jours, 3 semaines. Y compris au moment des débats sur l'armistice, avec le projet de fusion franco-anglaise. Rappelez-vous que. Alors, je ne me rappelle plus quelle est la journée, si c'est le 11 ou le 13 juin. Churchill plaidait pour l'organisation d'une guérilla en France, alors que nous avions des millions de personnes sur les routes. En plein exode, 9 millions de Français en exode. De défendre Paris, de réduire Paris en ruines. Alors qu'eux-mêmes, non seulement avaient retiré leurs troupes à Dunkerque, mais ils avaient d'autres troupes en Bretagne, dans l'ouest de la France, et qu'ils les retiraient à ce moment-là. Eh oui, la France est paix de l'Angleterre sur le continent, comme le remarquait Falkenhayn en 1915. – Alors, concernant la préparation française, elle était quand même énorme, je crois qu'il faut le dire, il faut insister là-dessus. Le haut commandement était complètement éclaté, parce que Gamelin voulait être près du politique, donc il était à Vincennes. – À Vincennes, oui, dans sa thébaïde de Vincennes. – Celui qui commandait en principe… – Georges. – Georges, le général Georges, le front du Nord-Est, mais qui ne le commandait pas, parce que c'était Gamelin qui le commandait en direct, était à La Ferté-sous-Jouarre. Ouais. Le général Douminc était à Montry. L'amiral Darlan était à Maintenon, tout ça a été complètement éclaté, avec une dispersion des bureaux, dispersion du renseignement, les gens ont passé leur temps à circuler en voiture pour porter des messages. Ça a été certainement une des causes de la lenteur des réactions après le 10 mai 40. Rappelons qu'il n'y avait pas de réseau radio. Qui n'avait que des téléphones, ce qui fait que lorsque Weygand est arrivé, il ne pouvait plus communiquer avec les forces du Nord encerclées, et qu'il a été obligé de prendre un avion pour aller dans le Nord et de revenir en bateau, ce qui a fait perdre 2 ou 3 jours. Donc la deuxième chose qu'il faut signaler, c'est qu'il n'y a pas eu de plan de fabrication, il n'y a pas eu de mobilisation industrielle, la responsabilité du politique est absolue. Il n'y a pas eu de programme d'armement, sauf à la fin, mais les programmes d'armement étaient extrêmement handicapés par un financement insuffisant, par des techniques budgétaires qui faisaient que les programmes n'étaient pas tenus, et les 40 heures. Sauvy dit bien que les 40 heures ont joué un rôle considérable dans la continuation de la crise économique française. Autre chose, et nous y reviendrons la semaine prochaine, il n'y avait pas d'outillage adéquat en France. Je rappelle que Tardieu, en 31-32, avait voulu, avec les excédents budgétaires français de l'époque, il y avait des excédents budgétaires, lancer un programme d'outillage national, et que la gauche, et notamment Léon Blum, s'y étaient opposés. Ce qui fait que l'outillage français était extrêmement en retard. Il faut insister sur cet aspect mobilisation industrielle, qui fait que ça a été… – Oui, qui s'était révélé décisif en 1914, au cours de la Grande Guerre. – Alors, au point de vue avion… si l'on se fonde sur ce que dit le colonel Michelet, sur ce que dit Paya, le journaliste Paya, il y avait à peu près 500 avions en état réellement opérationnel français au moment de l'attaque allemande, le 10 mai. Il y avait des avions anglais, les Anglais en avaient 400. Ces avions se sont battus comme ils ont pu, au lieu de grosses pertes, ont infligé des grosses pertes.
Nous avions l'espoir qu'en 41-42, on arriverait au même niveau que les Allemands. C'est ça. Ça a été beaucoup trop. Alors, les chiffres varient parce qu'on tient compte d'avions qui sont sortis d'usine, mais qui ne sont pas équipés, d'autres qui sont en rodage, etc. Alors que le réarmement allemand était lancé depuis 1935, c'est à partir de 1938 que Daladier engage le réarmement français. Oui, et puis, en fait, les premiers grands crédits, c'est fin 1936. Mais en 1937, il ne s'est pas passé grand-chose. Et en 1938, on a eu du mal, il y a eu des grèves. En fait, les très gros efforts, c'est 1938-1939, c'était beaucoup trop tard. La même chose pour les blindés. Alors, les blindés, il y a eu une insuffisance de production de blindés. Deuxièmement, alors on dit qu'il y avait à peu près le même nombre de blindés en France qu'en Allemagne. Oui. Mais, et puis il y avait le problème des divisions blindées. Voilà, oui, la doctrine d'emploi des engins. Les blindés français n'avaient pas la même qualité, notamment les Renault 35 et les Hotchkiss 35 ne pouvaient pas être incorporés. Leur armement n'était pas assez bon. Or, c'était les blindés les plus nombreux. Les bons blindés, il y avait le B1 bis qui sortait au compte-gouttes. Et les SOMUA dans les divisions légères mécaniques. Donc il y a eu un vrai problème de production de chars et de qualité de chars. La deuxième chose, c'est évidemment les divisions blindées. Alors les divisions blindées, il faut rappeler que Weygand avait lancé clandestinement, c'est trop sévère, mais de manière... très discrète, la constitution de divisions légères mécaniques, qui en fait sont devenues des divisions blindées. Mais c'était la cavalerie. Pourquoi ? Parce que s'il avait soumis au Parlement ces divisions légères mécaniques, la constitution, le Parlement s'y serait opposé. C'est le Parlement qui s'est opposé à la constitution. Alors, concernant les divisions légères mécaniques, il y en avait trois le 10 mai 40, excellentes, très bien entraînées, avec pas mal de blindés. Elles se sont battues contre les Allemands à Hannut. Et on dit parle de la victoire de Hannut, il n'y a pas eu de victoire contre les blindés du général Hoppner. Mais il y a eu un coup nul, ce qui montrait que on avait les moyens de rivaliser. Et par contre, les divisions dites cuirassées, c'est-à-dire les divisions blindées, n'étaient pas constituées. Alors, les divisions cuirassées de réserve. On met ça sur le compte des généraux. Il y avait deux écoles, dont notamment, il n'y avait pas que le colonel... puis général de Gaulle, qui a le mérite d'être un publiciste de la chose, mais le général Hering, le général Dominck. Rappelons que en 1919, le général Pétain avec le général Etienne avait sorti une instruction où déjà les blindés attaqués en masse s'appuyaient par l'aviation. C'est-à-dire qu'en 1918, l'armée française était plus en avance que l'armée de 1939. Pourquoi il n'y a pas eu de division blindée ? Parce que le pouvoir public, le pouvoir politique ne l'a pas voulu. Oui, parce qu'on ne pouvait pas à la fois financer la ligne Maginot et puis avoir une force mobile. Parce que qui disait division blindée, disait offensive. C'est ça, et qu'on ne voulait pas l'offensive. Ouais. Il y a eu un débat le 15 mars 1935 où Blum a pris la parole et a dit « Mais ce qu'il faut, c'est désarmer unilatéralement, les Allemands suivront. » Tu parles. Ouais. Et c'est opposé en 1935. Après, on a refilé le bébé au maréchal Pétain. On a dit « Vous n'avez pas étendu, vous n'êtes pas passé du service de 1 an à 2 ans ». Mais en 1935, lorsque on a voulu jouer sur les incorporations pour augmenter le nombre d'hommes, toute la gauche s'y est opposée. Bah – oui, mais c'était le résultat de la démographie aussi. En 1935, on avait deux fois moins de conscrits il y avait que l'année précédente. Il y avait une classe creuse de 14. – Donc, le pouvoir s'y est opposé. Et puis après, aussi bien les généraux en général que le général Gamelin ont réclamé, et ça, le colonel Michelet, dans son ouvrage sur la revanche de l'armée d'Afrique, est très clair là-dessus. Le général Gamelin a plusieurs fois proposé, et il y a eu des engagements de constituer des divisions blindées, des divisions cuirassées dites de réserve, puis d'actives. Le pouvoir politique, pour les raisons indiquées, s'y est opposé, a ralenti, ce qui fait que les premières divisions cuirassées ont été constituées en janvier 40. Oui, donc lorsque les choses se sont déroulées en mai 40, ils n'avaient pas eu le temps de s'entraîner. Ça a été, et là le pouvoir politique porte une responsabilité considérable.
car c'est le pouvoir politique français qui s'est opposé. Évidemment, ils ont après mis en cause. Mais cette discussion sur les blindés, elle avait lieu dans toutes les armées, y compris l'armée allemande. Le coup d'Éria n'était pas appuyé par ses supérieurs. Et le résultat, ça a été effectivement que les blindés français étaient dispersés, attaqués par les Stuka, hein, attaqués par l'aviation. Voilà. Nous n'en avions pas les moyens. Et puis les chaînes logistiques derrière qui étaient également des cibles, ce qui fait qu'on a des unités blindées qui se sont retrouvées sans carburant alors, pour continuer à fonctionner. Très rapidement, une DCA très faible. Des antichars de bonne qualité, mais insuffisamment produits. Pas de mines antichars, alors que les Allemands en avaient. Les fortifications non insuffisantes et non suffisamment travaillées. Des divisions de série B qui étaient dans un état de faiblesse, mais dont il faut souligner que dans nombreux cas, elles se sont battues courageusement à Dunkerque, sur la ligne Maginot, lorsqu'on a fait appel à elles, et qu'elles étaient suffisamment motivées. Mais lorsqu'elles ont pris les blindés allemands le 10 mai... Sur la Meuse, oui. Là, évidemment, le choc était irréversible. Alors on peut signaler aussi l'existence de ces fameuses divisions de forteresse dans la ligne Maginot, qui étaient en fait bloquées sur place. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, comme l'avait fait Joffre en 1914, jouer avec ces éventuelles réserves-là pour livrer bataille plus loin à l'ouest, comme avait pu le faire Joffre et l'emporter lors de l'affrontement de la Marne. Écoutez, il y avait à peu près sur le front nord-est, alors les chiffres varient, hein, elle est difficile, à peu près 90-93 divisions. Là-dessus, il y avait 13 divisions de forteresse qui étaient dans la ligne Maginot. Donc il restait 80 divisions. Beaucoup de divisions de bonne qualité, c'est-à-dire les divisions d'actives, les divisions les divisions dites de série A, les divisions d'infanterie nord-africaine, les divisions coloniales. Elles étaient dispersées sur tout. Lorsque le 10 mai a éclaté, on les a fait revenir, mais elles sont revenues en train, beaucoup trop tard. La grosse erreur stratégique, ça a été, du fait de l'entrée en Belgique, de mettre la 7e armée, qui était l'armée de réserve du côté de Reims avec le général Giraud, de la mettre sur la côte pour qu'elle attaque et qu'elle aille. Ça. Ce qui fait qu'elle n'a servi à rien. Il n'y avait plus de réserve. Ça, c'est une très très grosse erreur, à nouveau stratégique. Oui, d'autant que la Hollande a été mise KO en l'espace de quelques jours. De 4 jours. Alors, il y a eu un problème d'encadrement, hein, très certainement. L'inaction, nous en avons parlé. Hein. Les transports, lamentables, il y a une anecdote. Les Français avaient construit des véhicules, des camions de transport. Il y en avait 6000 dans... J'ai retenu le chiffre de 6000, j'espère que je ne me trompe pas, dans un camp, quelque part. Et ces 6000 n'ont pas été envoyés sur le front, parce qu'il leur manquait un petit avertisseur en cas d'attaque aérienne. À cause de ces avertisseurs, elles ne sont jamais allées sur le front. Et par exemple, la 9e armée est allée à pied, elle. Et ceux qui ont utilisé les camions sont les Allemands, puisque les ont... On ne fonctionnait pas au même rythme dans les deux camps. C'est-à-dire que lorsque la France a été battue, ben, ils ont récupéré les camions. Et puis, il y a eu une très grosse carence des transmissions. On a utilisé le téléphone. Il y avait les moyens, il y avait des postes, mais surtout une transmission à l'intérieur des divisions, puisqu'on faisait ça au faillite. Y compris sur le plan tactique, au niveau des blindés, au niveau des chars. Oui, tout à fait. Il y a des liaisons radio du côté allemand et il n'y en a pas du côté français. Ben, les Français marchaient, comme disaient les gens des chars, au fanion. Et il n'y avait pas assez de postes radio. Ce qui quand même était un handicap considérable. Ah oui, c'était un décalage. Alors j'ai parlé du haut commandement, du général Gamelin, dans les termes la dispersion du haut commandement, la lenteur de réaction, qu'ont critiqué les Anglais, à juste titre, mais ils en ont profité pour partir. Je voudrais parler aussi des services de renseignement. Et ça, c'est le point le plus positif. Oui. Le colonel Payol a laissé des souvenirs extrêmement intéressants. Les Français ont vraiment, les services de renseignement, vraiment réalisé des prouesses. Ils ont été à l'origine, mais après avec les Polonais, les décrypteurs polonais, et puis après avec les Anglais.
à l'origine du décryptage des postes Enigma des Allemands. Mmh. Mais surtout, ils avaient des informations extrêmement intéressantes provenant du frère d'un général de blindés, Hans Thilo Schmidt, et qui les a renseignés au fur et à mesure de tout ce qui allait se passer. Et de même, il y avait une Française qui était l'amie, la maîtresse d'un Autrichien qui était au commandement, le général Lausen. Là, je crois qu'on l'appelait la source MAD, et qui informait, qui donnait des informations extrêmement intéressantes et importantes. Ce qui fait que dès mars-avril 40, le service d'enseignement savait que les Allemands étaient en train de concentrer des troupes, des forces, non pas dans le nord, mais de concentrer des troupes près du Luxembourg. Et grâce à ces sources, on a su que les Allemands se renseignaient sur les voies de communication, les ponts, les rivières à traverser entre Sedan, Saint-Quentin et Abbeville. Et Abbeville, bien sûr. On ne pouvait pas être plus clair. L'axe de pénétration. Le colonel Rivet, qui commandait le service renseignement, et ça c'est très bien dit dans les documentaires, dans un des deux documentaires, est allé voir le général Gamelin. Le général Gamelin a demandé à son troisième bureau de savoir si on pouvait traverser les Ardennes. Le troisième bureau a dit non, c'est pas possible. Et on sait ce qui est arrivé. Mais les renseignements avant le 10 mai sont venus de partout. Partout. Il y avait un numéro 2 de l'Abwehr, austère, qui renseignait un attaché militaire hollandais. Il lui a dit c'est pour le 10 mai. Les Français savaient, le service renseignement savait parfaitement que ça allait se passer, comment ça allait se passer. Le haut commandement n'en a pas tenu compte. Là aussi, il y a eu des lacunes extrêmement, extrêmement graves. Au fond, l'armée n'était pas prête et jamais la France n'aurait dû rentrer en guerre avec un allié aussi désarmé, sans autre allié, et avec une armée dans cet état à ce moment-là. Eh bien voilà, pour la conclusion de cet exposé consacré à la drôle de guerre, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, André Posokhoff, et puis nous aurons l'occasion de nous retrouver bientôt, je pense, autour de cette période, à travers les commémorations qui vont se succéder concernant 1939-1945. Merci beaucoup.